Brigitte Lahaye Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien, Ukraine, nous retrouvons Flore Chéry, journaliste, notamment à Union.fr, qui va nous montrer que les femmes aussi peuvent être ambitieuses. Et c'est vrai que ça a souvent une mauvaise cote, l'ambition, et pourtant, ça peut être une qualité. Bonjour Flore Chéry. Oui, bonjour Brigitte, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'ambition peut être une qualité tout à fait féminine et je vais vous le prouver, notamment grâce au livre Les Ambitieuses de Virginie Giraud qui vient tout juste de paraître et qui présente le profil. Il est formidable hein, ce livre, vraiment, je suis d'accord avec vous, il est formidable. Il est vraiment très très bien, je vais vous en parler plus en détail. On a coutume de dire « it's a man's world ». On pourrait penser que notre monde est fait par les hommes, que les rues portent le nom souvent de grands hommes. On apprend beaucoup de personnages emblématiques à la barbe taillée et à la moustache haute dans l'histoire de France. On étudie beaucoup de théorèmes de scientifiques virils dans les études de sciences naturelles et de mathématiques. Et pourtant, avec Les Ambitieuses de Virginie Giraud, on découvre le portrait de 40 femmes qui ont bien bel et bien changer notre monde. Alors, je vais vous en parler de trois que je connaissais, mais que j'ai redécouvert à travers le livre, notamment Virginia Johnson, rendue célèbre aujourd'hui par la série Masters & Johnson et au XXe siècle par la sortie de son livre The Human Sexual Response en 1966, un livre qui aurait appris aux Américains à faire l'amour, hein, rien que ça, tant il était précis sur la description des organes génitaux ou des effets que provoque le sexe sur notre corps. Ce que l'on sait moins, c'est que Virginia, qui était présentée comme une séductrice briseuse de ménage, a subi une forme d'harcèlement sexuel de la part de William Masters, son coéquipier, donc un scientifique froid, très travailleur, qui n'aurait eu de cesse de quémander au bout d'un an des relations sexuelles sous couvert évidemment d'études scientifiques. Voilà, et ça c'est vrai que c'était une facette de sa personnalité ou de son travail que je connaissais moins. On redécouvre aussi Simone de Beauvoir qui, si elle est un peu la maman de toutes les féministes, hein, le deuxième sexe c'est un peu notre livre de chevet à toutes, elle a également entretenu une relation très manipulatrice, voire un peu toxique avec Jean-Paul Sartre. Son livre présente également quelques lacunes. Son livre, le deuxième sexe, hein, bien sûr, présente également quelques lacunes sur les notions de biologie qu'elle étaye dans son livre. La démonstration d'une féminité 100% culturelle que l'on entend dans le célèbre "On ne naît pas femme, on le devient" est aujourd'hui par plusieurs mouvements remis en question. Mais on ne peut nier son impact considérable sur la pensée féministe actuelle et sur la liberté qu'elle a offerte aux femmes qui ne trouvaient d'issue à l'époque que dans le mariage ou la maternité. Et il y a aussi bien sûr une des femmes qui, je trouve, force le plus l'admiration, Simone Veil. On connaît son combat pour légaliser aujourd'hui l'IVG et on lui doit évidemment beaucoup en tant que femme, mais on connaît moins ses combats sur les conditions de détention en prison ou sur ses actions permettant de préserver la mémoire des personnes déportées. Bref, il y a dans ce livre le parcours incroyable de 40 femmes qui ont changé le monde et grâce à qui on respire un peu mieux aujourd'hui et à qui nous devons beaucoup. Les portraits sont condensés, donc très simples à retenir et c'est une approche féministe qui personnellement me plaît beaucoup puisque c'est un féminisme qui ne dit pas vraiment son nom. Toutes ces femmes ne se revendiquent pas comme militantes, mais elles ont toutes un point commun, celui de changer le monde par le travail, le courage et des combats. Et je crois que ce sont ces qualités-là qui permettront réellement de changer le monde des femmes que nous souhaitons mettre en place demain. Alors moi il me semble, Flore Chéry, puisque j'ai reçu le livre et j'ai lu plusieurs personnes, pas forcément d'ailleurs celles dont vous avez parlé, j'ai lu par exemple Colette, etc. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que ces 40 femmes étaient des femmes libres. Alors évidemment suivant leur époque, plus ou moins libres, mais c'était des femmes libres. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il faudrait le plus essayer de donner aux femmes aujourd'hui. On a réellement, en tout cas en France, malheureusement, il y a encore plein de pays où ce n'est pas le cas, mais en France, on a la capacité d'être libre. Et être libre, c'est quoi? C'est de choisir entre guillemets ses chaînes. Quand je dis ses chaînes, c'est une façon de parler. Et je
et ne pas vouloir rentrer dans le moule d'une féministe ou d'une non-féministe, qu'importe, voyez. Et je trouve que c'est ça que moi, c'est ce qui m'a le plus frappé dans ce livre, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, vous avez raison, c'est pas forcément des femmes qui ont été féministes ou qui ont fait avancer la cause des féministes, mais ce sont des femmes qui ont vécu la vie qu'elles avaient envie de vivre, parfois même complètement à contrario de la société dans laquelle elles étaient. Oui, c'est ça. En fait, oui, je dirais que vous avez raison, le point commun, c'est une sorte de rébellion, entre guillemets, par rapport à leur époque, qu'elles ont toutes su apporter, qu'elles ont su incarner aussi, féministes ou pas d'ailleurs, avec les travers pour certaines qu'on connaît et d'autres qui ont su mettre en place des réformes qui aujourd'hui nous permettent encore d'être libres. Mais oui, il y a cette volonté de vouloir changer le monde, donc d'être libre de cette façon-là et de briser tout ce qui nous contraint. Ouais. Mais je pense, enfin, et là je vais demander à un homme de répondre, je pense, Ugraine, que de toute façon, si on a l'ambition de réussir quelque chose, et tant qu'à faire de réussir sa vie, il faut de toute façon sortir peut-être du rang, il faut peut-être accepter de faire bouger un peu les choses. Mais complètement. Et moi, ce qui me venait quand vous parliez de liberté, Brigitte, c'est surtout la liberté de penser. C'est-à-dire, je pense que ces femmes, il y a des hommes aussi, bien sûr, mais là, on parle des femmes, elles ont une conviction intérieure et cette conviction intérieure, c'est pas qu'elles veulent être contre ce qui existe, c'est que cette conviction est en désaccord avec une certaine façon monolithique de penser et qu'elles vont au bout de leur engagement, elles vont au bout parce que ça leur tient à cœur, je dirais. Et c'est ça qui est très frappant dans toutes ces femmes. Il y en a bien d'autres, en effet. J'étais en train de me dire, bah tiens, j'en ai vu pas mal qui ont fait des choses extraordinaires, mais les noms ne revenaient pas, donc je ne peux pas les citer. Mais je crois qu'en effet, il y a un côté comme ça dans toutes ces femmes qui est assez admirable, dans cette façon, cette liberté de penser et qui va jusqu'à l'action. Absolument. Alors, on va reciter ce livre pour ceux que ça peut intéresser. Alors, vous en avez parlé de trois, mais il y en a 40. Hein. Les Ambitieux, oui. Ça s'appelle, de Virginie Giraud. Les Ambitieuses, de Virginie Giraud, qui est historienne. Et donc, c'est très fouillé et en même temps fouillé et en même temps condensé. C'est-à-dire que ce n'est pas des portraits à rallonge. L'essentiel est tient sur une petite dizaine de pages et c'est ça qui est aussi appréciable. D'ailleurs, en couverture, on voit Marie Curie, on voit Joséphine Baker et Sylvain Veil. Simone Veil, absolument. Merci Flore Chéri. Je rappelle également qu'on va parler demain des rêves et des fantasmes, que vous pouvez peut-être réaliser votre fantasme grâce à Flore Chéri et Arthur Vernon sur le site mysweetfantasy.com.